Yo les boss, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour l'épisode 13 de Ark Survival Evolved. Et les gars, dans le 12e épisode, on avait tamé ce magnifique Spino qui m'avait pris énormément de temps à tamer les gars. Pourquoi? Tout simplement parce que ce petit là, ce petit Spino, hein, aller de gauche à droite là, à chaque fois c'était vraiment relou. Donc les gars, n'hésitez pas à aller voir ce petit épisode, c'était vraiment très cool. En plus, il est vraiment très stylé le Spino avec la petite couleur bleue là en dessous de lui comme ça, c'est archi stylé. Franchement, il est incroyable. Les gars, je fais une petite voix tout simplement pour vous dire que dans cet épisode, je vais tamer les gars la chatine, le petit escargot que j'ai pas mal croisé dans les marécages. Parce que les gars, de base, je voulais tamer toutes les espèces du marécage, mais c'était beaucoup trop long. Et en plus de ça, pour tamer la chatine, il fallait faire un gâteau de légumes. Et les gars, c'était très long parce qu'il faut des légumes. On s'écrit dedans, mais il fallait des légumes, de la sève, du maïs, il fallait plein de trucs. Et pour les chercher, c'était très très dur. Donc c'est pour ça que je fais une petite voix pour vous dire ça, les gars. Alors les gars, de toute façon, j'ai craft ce qu'il nous faut. Parce qu'en fait, pour récupérer le miel, de 1, tu peux pas le prendre en vol. Et de 2, tu vois, si je veux m'échapper, ça va être un peu compliqué. Donc le truc à faire là, c'est de prendre des structures que normalement j'ai déjà fait. Alors oui, en fait, j'ai déjà tout préparé. Je crois que j'ai mis dans mon Argentavis, qui est là. Ouais, celui-là, c'est le 2.0, qui a vraiment un niveau, mon gars, mais incroyable. Hein. 289, c'est n'importe quoi. Alors voilà, ils sont là, les petits trucs, pour juste pour monter jusqu'à la ruche, les gars. Parce que ouais, c'est un peu la hesse, hein. J'ai pas de trucs pour monter aux arbres. Alors par contre, pour les trucs de sève, je sais pas du tout, je crois que je n'ai même pas appris ça. Donc, bon, je crois pas que c'est un accent comme ça, ça doit être un accent. Voilà, extracteur de fibres. Alors si je l'ai, alors ça se fait dans l'atelier. Il me faut du ciment. Bah, du ciment, j'en ai déjà, donc ça va être bon. Voilà, sève. Et il me faut quoi? Des lingots de métal. Bof, nickel. C'est nickel, ça. J'ai un enfer, les gars. Enfin, j'en ai récupéré avant de commencer l'épisode. En plus, j'en ai masse, donc ça, c'est nickel. Tac. Voilà, petit extracteur. Alors, je sais pas combien de temps ça peut prendre. Donc, ce serait bien d'en faire deux au moins. Comme ça, au moins, si plus tard, j'ai besoin de refaire des gâteaux, je ne sais quoi, avec de la sève. Et bon, au moins, j'en aurai. Et ça, ça sera cool. Voilà, tac, on met ça là-dedans. Sève. Tac, non, j'écris deux fois. Et voilà, nickel, on va se l'équiper là. De toute façon, ça, c'est pas très lourd. Parce que les fondations, c'est un peu lourd, les gars. Même si c'est de la chum, c'est vraiment très très lourd, hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans le phoenix avant de commencer l'épisode. Alors on va faire un petit tour quand même avant, les gars, de partir. Un petit tour des légumes. Ah ouais, voilà, on est à bientôt à 100. Ah oui, ça monte vite en vrai, hein. Parce que les gars, faut quand même se dire que ça fait... je suis pas resté beaucoup de temps ici. Donc faire que ça pousse pas beaucoup, mais quand même 100. Je pense quand même que c'est pas mal, hein. Alors ici, ça poussait moins vite. Je sais pas pourquoi. Et peut-être que ce que j'ai mis avant. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas d'engrais, bah oui. Il n'y a pas d'engrais, je crois que j'en ai fait en plus de l'engrais. On va aller voir ça tout de suite. Les gars, avant de continuer la vie, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à bien sûr vous abonner et à activer la cloche de notification, les gars. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait énormément. Ensuite, oula, mon argentavis, il m'a bloqué. Normalement, j'en ai fait, si je dis pas de bêtises. Ah oui, voilà, avec les bons caca là de T-Rex. Et maintenant, le spinosaure, on va pouvoir en profiter, hein. On va utiliser les caca de tout le monde, hein. Les excréments, on va peut-être éviter de dire ça tout le temps parce que ça fait un peu kikou, on va pas se mentir. Allez, tiens, voilà, bats-toi. Voilà, merci, tu me donnes ça. Voilà, un peu de... Oula, je suis trompé de touche. Un peu d'œuf de dodo. Ça va bien sûr nous servir, les gars, pour faire les kibbles. Lui, il n'avait pas lâché une nuit. Voilà des pop, on va dire. Hein. Peut-être que c'est moi qui est un peu aveugle. Ok, on va... Oh, non, c'est pas ici. Hein. J'ai pas envie de mettre ça chez moi. Hein. On met ça là-dedans, bien sûr. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est l'œuf que je voulais mettre, en fait. C'était le petit œuf. Alors est-ce que j'ai assez? Enfin j'ai assez parce que ça commence à faire longtemps que j'ai tout ça dedans. Pourquoi déjà? Ouais, de la poudre d'étincelle, du pétrole et de la viande. Alors oui, du pétrole, j'en ai plus trop. Je n'ai plus trop de pétrole. Est-ce que j'aurais pu mettre du pétrole où? Parce que les gars, c'est un peu le bordel avec les coffres. Enfin c'est pas le bordel. Et le problème c'est que bon, le pétrole, j'ai pas trop fait de rangement. Donc bah je sais pas trop où je l'ai mis. Bon, ça a l'air de fonctionner. Si on regarde. Ouais c'est ça, hein, 78, attends. Quoi, les secondes? Mais c'est même pas des secondes, c'est des minutes, des heures, des jours et des années. Ah oui, bah, je pense que ça va tenir longtemps, hein. Je pense qu'on a largement le temps. Voilà, nickel. On a tout vu, les gars, c'est parti. On va chercher
la sève pour faire les petits gâteaux. Et bien sûr, après, on ira chercher tous les tames parce qu'on va tame tout d'un coup, les gars. Alors, est-ce que j'ai pris de la viande? Bon, de toute façon, c'est les parents, on pourra en prendre sur, sur une petite créature. Alors, bon, les ruches, les gars, il y en a vraiment juste à côté. Donc, c'est vraiment très, très cool. En vrai, j'ai quand même bien choisi ma base, les gars. Hein, parce que, genre, il y a l'eau juste à côté. Il y a même un obélisque, enfin, un truc géant, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Il y a une forêt, la forêt, là, avec les tigres. Il y a le marécage. Il y a un peu de plaine, il y a un peu de forêt, il y a un peu de montagne, donc ça c'est franchement cool. Je suis quand même bien, tu vois, je suis pas obligé de faire 10 km pour aller chercher les trucs. Alors par contre, des petits serpents, ça je n'aime pas trop. En plus là, il y a plein de ruches. Alors comment ça fonctionne? Je dois le mettre comme ça? Ah, non, il n'a pas l'air trop kiffé. Un point d'accroche. Comment ça un point d'accroche? Alors par contre, lui, il va venir m'embêter. On va prendre le petit argentavis. Voilà, allez, chien. Ça perd quoi, beau gosse? Eh bah, rien. Voilà. Oh, il y a tous les potes qui viennent ramasser, là. Les rats, comme on dit dans le milieu. Voilà, nickel. Alors, je sais pas du tout comment... Ah, ok. C'est juste en haut pente. Attends, c'est énorme. C'est la taille du truc. Là, pourquoi ça se met juste à cette taille-là? C'est un peu bizarre. Bon, on va le mettre sur un autre arbre. Et puis, on va en profiter. En plus de ça, que ça soit juste à côté des ruches. Pour... Oh, je me suis dit, attends, j'ai quand même pas oublié les fondations. Mais c'est, bien sûr, dans l'argent de ta vis. Voilà, tac et tac. Alors c'est un peu compliqué les gars, je vais pas vous avouer. Parce qu'il va falloir... Enfin il a fallu que je construise beaucoup de trucs. Alors oui, il faut faire comme ça. Tac. Là ça va être un peu chaud, va falloir que je tourne je pense. Alors, est-ce que je peux poser sur ça? Le jeu ne veut pas du tout. Ça c'est sympa. Alors là il veut bien, tu vois, mais... Alors attends, je peux vite me dépêcher à ramasser ça peut-être. Ah, ah bah non, ça tient pas du tout. Ouais, là ça va être un peu compliqué, je vais l'avouer. Attends, je peux changer en mode comme ça. Ah oui, ça fait trop bizarre. Comment je pourrais faire pour que je tourne? Faudrait que j'ai des piliers en bois. Ok, c'est bon, j'ai pris 10 piliers. Je sais pas si, enfin, si ça va être assez, je pense. À chaque fois, on va tout reprendre. J'espère que je peux les reprendre à chaque fois. Alors, on va mettre ça comme ça. On séparera le fusil, on n'a pas besoin pour l'instant. Alors, par contre, ça prend énormément de place, comme vous voyez. Donc c'est un peu compliqué. Alors est-ce que je peux mettre comme ça? Est-ce que je peux mettre genre une fondation? Alors pas du tout. Il y a un obstacle. Ah ouais, il y a ça. Alors, peut-être que je refasse le truc. Ah ouais, là c'est nickel. Ça c'est nickel. Alors oui, le problème c'est que voilà, c'est resté trop longtemps. Du coup, ça ne fonctionne plus. Ah voilà, là c'est beaucoup plus pratique là. Voilà, nickel. Et là du coup, je peux tourner. Est-ce que je peux tourner? Alors ça compliqué, c'est quoi la touche déjà, je sais plus. Putain, et vraiment c'est horrible hein. Vraiment pour reprendre les trucs comme ça, je vais peut-être faire des échelles en vrai hein. Peut-être des échelles ça fait l'affaire hein. Oh attends, quoi, c'est quoi ce bordel? J'ai réussi à monter. Attends, mais c'est une technique de génie là. Mais attendez, non mais là 300 de QI là. Attends, mince. Mais attendez, mais c'est 300 de QI là. Mais attends, mais wesh, la technique mon gars, ça c'est de la technique. Alors par contre, le problème c'est que faut bien viser, parce que voilà, ça vise. Voilà, nickel. Voilà, tac. Et là, zbim, on reprend la foundation. Tac. Et là, on est bientôt devant les ruches. On a juste besoin encore peut-être une. Voilà, nickel. Alors, on va pas se fail. Voilà, nickel. Ah, non, je suis tombé. Bon, ça va, j'ai le phoenix, donc ça devrait aller. Bon, c'est un peu le seum quand même que je sois tombé comme un zgang, mais ça devrait aller. Genre, je fais ça. Non, le phénix m'a fait tomber. Alors là, j'ai failli crever. Je voudrais pas crever, quoi. C'est un peu ça, le truc. Est-ce qu'il y a moyen que je tombe délicatement? Ok, il y a moyen. Ok, nickel. Oh, c'est chaud, les gars. Je vais pas vous mentir, c'est chaud du string. Est-ce que je peux... Il y a moyen ou pas? Alors non, pas du tout. Ok, je dois refaire comme ça. Enfin, vraiment, le truc qui ressemble à rien. On dirait que je suis en train de recréer un arbre. Oh, je joue avec la mort, hein, je vais pas vous mentir. Est-ce qu'il y a vraiment pas moyen que... Ah si, voilà, nickel. Et là, alors non. Oh, vraiment, il reste rien. Et c'est relou, hein. Ok, en fait, il y a un escalier juste là. Mais là, comment je peux faire, là? Je peux pas mettre ça là-dessus? Faudrait que je refasse un pilier, hein. Faut vraiment être à côté, c'est incroyable. Hein. Alors attendez, on va essayer un truc. Si je reprends... bah je peux reprendre celui-là en vrai. Vraiment, si... Ça c'est bête. Alors... Ce serait sympa c'est que je puisse poser une fondation là-dessus, mais le jeu ne veut pas. Genre je peux poser là, tu vois, mais non. Après non, tu vois, le jeu ne veut pas. Mais en vrai, il y a moyen là. Oh, oh oui, j'ai vu le bouton. Oh oui, nickel. Ah oui, j'ai oublié que par contre, il y avait ça. Par contre, il y a moyen que je crève là.
Il y a vraiment moyen, j'en étais sûr. Parce que les gars, j'ai déjà vu une vidéo, le mec, ça fait pareil que moi. Bon, ça devrait aller, les gars, on a plein d'autres dinosaures aériens, donc ça devrait aller, hein, pour récupérer tout ça. Bon, les gars, je vous évitais le retour là-bas, de jusque-là, de reprendre le dino que j'avais pris, d'aller là-bas, de reprendre mon dino et de revenir ici, voilà. Parce qu'après, on a deux dinos, on gère plus, après, on en a trois, tu vois. Alors, je me suis posé là. Je sais pas comment j'ai réussi à atterrir là, moi. Voilà, tac, on reprend tout ça. Et là, zbim, on peut se l'équiper. Tac, c'est reparti. Alors là, on a 5 de miel d'abeille. Je sais pas du tout si c'est assez. Alors là, je ne sais pas du tout. Là, ça va être un peu compliqué. Je vais pas vous avouer. Oui. Effectivement. Ah, il y a un serpent en plus. Il y a un serpent. Est-ce que mon armure, je l'ai même pas mis en plus. Je l'ai remis dedans. Oh là là, le boulet. Voilà, me suivre. Et là, je fais... Attendez... c'est quoi déjà? Pas bouger, voilà. Voilà, nickel, il bouge plus. Bon, tu es en train d'attaquer ma fondation, lui. Ah oui, effectivement. Allez, tiens. Voilà, nickel. Alors, je sais pas pourquoi on n'a pas le compteur de dégâts. Bon, c'est bizarre qu'on n'ait pas le... Du coup, les dégâts qui s'affichent sur les constructions, c'est peut-être un bug. Alors, du coup, voilà, nickel. Là, on se repose juste ici. Et est-ce que je peux reprendre dedans ou pas? Que je me demande, genre, s'il y a un délai, il doit avoir un délai peut-être dessus. Ouais, c'est ça, hein. Je peux plus. Hein. Y a plus rien dedans. Je me mets bien au bout. Voilà, attends, il y a combien? J'ai pas vu combien c'était. 12 minutes. Enfin, 13 minutes là, mais. Ouais, ça va, hein. On va reprendre ça. On va essayer d'aller voir l'autre qui est juste à côté. Alors, c'est un peu compliqué, surtout si j'ai pas tout mon stuff. Voilà, nickel. On va pouvoir se rééquiper tout ça. Voilà, tac. Alors là, j'ai encore fait la même bêtise. Parce que j'appuie sur I à la place de E. Voilà, nickel. Tac, tac, tac. Et là, on peut bouger tranquillement. Attends, on voit rien du tout, c'est incroyable. On va refaire la même technique, hein, écoutez. Technique de professionnel. Alors bon, il y a le phénix, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que... Voilà, nickel. Exactement ce que je voulais. En plus, je retombe pile. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, doucement, 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 j'avais dit, doucement. J'avais dit doucement. Ok, les gars, je suis juste devant la deuxième ruche. Alors là, j'essaie de vite me barrer, comme ça, j'ai pas l'effet. Ok, attendez, 1, 2, 3, go! Let's go! Oh, par contre, on est méga lent. Ok, bon, lui, il est pas lent du coup, mais allez, s'il te plaît, barrez-vous là, laissez-moi tranquille. Ouais, ça fait vraiment mal, c'est incroyable les dégâts qu'ils font. Ils enlèvent la moitié de ma vie, c'est n'importe quoi. Alors, on va essayer de, du coup, d'avoir le. La sève. Je sais pas du tout si ça est extrait ou genre il faut une pompe ou un truc comme ça. On va bien sûr monter avec la technique secrète, hein. Ah voilà, oh, on a déjà 5 de sève, ça c'est cool. Oh le petit bruit là, bon, ça c'est cool, en fait je vais laisser ça même si c'est pas très très beau. Moi je pourrais revenir pour en ramasser. Et peut-être dans le futur, je sais pas si on peut faire, genre, faire des bases dans les arbres. Ça serait cool de genre faire une petite base. Alors par contre, il y a l'autre pompe qui est juste là-bas. Ouais, c'est un peu compliqué, il y en a pas une troisième de ruche ici. On se souvient plus. Alors faut que je réactive mon truc pour la voir. Là il y en a une là. Ouais c'est ça, hein. Alors là il y a un bruit d'abeille, je sais pas du tout si... Y'a rien, y'a rien, hein. Y'a pas de méchantes abeilles qui viennent m'agresser. Alors je suis en train de pulvériser leur truc. Ça fait un bruit de bois, je suis mort. On fait plus de dégâts avec ça. Voilà, let's go. En train de casser leur truc. Alors ça fait beaucoup plus de dégâts en fait ça. Voilà, tac, 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 tac. Bon, ça fait rien du tout. Ah, oh, je peux. Attends, ouais, je peux recueillir le. Attends, mais j'ai trouvé un glitch là. Ah, mais parce qu'en fait, je crois qu'il y a plusieurs abeilles dedans. C'est bugué, les gars, c'est trop bugué. Tout à l'heure, ça m'a. Voilà, là, ça m'affiche. Et là, il y en a une deuxième dedans, j'ai l'impression. Oh, bon, l'effet, il est horrible. C'est ultra relou. J'aurais dû prendre mon armure, en fait. C'est peut-être pour ça. Alors, bon, je vais vite me poser parce que. Oh, j'ai chaud. J'aurais dû prendre mon armure, je suis un peu débile. En plus, je l'ai fait pour rien, hein, là. Surtout pour ce que je fais. Mais en plus, en fait, il y a plusieurs ruches. Je me rappelle la dernière fois, j'ai cassé une ruche. Il y avait une ruche juste derrière à chaque fois. Ok, donc là, il y a moyen qu'il y ait une deuxième ruche. Genre qui est un peu plus haute que l'autre. Par contre, je peux pas sauter vu que j'ai un peu mal. Il faut que je mange. Il faut que je mange. Voilà, pour plus que j'ai l'effet. Voilà, nickel. Est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait une deuxième ruche par-dessus? Alors là, ça m'étonnerait du coup, mais parce qu'on n'est pas assez haut. Oula, Phoenix me pousse un peu vers l'avant. Bon, là, il y en a que deux, là, il y en a une. Ok, on note ça. Est-ce qu'il y a encore de la sève ou pas? Ouah, par contre, comment ça te pousse, c'est horrible, hein. Parce que là, ouais, bah, je suis encore cassé, on va dire.
Voilà, nickel, c'est bon. On est tout beau, tout propre. Ok, en plus, je peux monter dessus, ça c'est nickel. Voilà, est-ce qu'il y en a encore dedans? Oh, il y en a une de sève. En fait, ça prend moins une à deux minutes par sève. Hein. C'est pas du tout le gâteau, ça prend combien? Faut que je regarde la recette après, bien sûr. Là pour descendre. Ok, là j'ai envie de sauter sur mon argotavis, mais ça va être un peu chaud. Je vais pas vous le mentir, je sens que je vais crever. Je voudrais bien au moins avoir un minimum de vie. On va tout graille, hein. Je vais tout graille. Comme ça, ça me refait gagner de la vie. Bon, y a plus rien. Ok, attendez, attendez, là j'ai peur. Ok, let's go. Ok, oh là là, le professionnel. Je suis un professionnel. On va laisser comme ça. Je vais aller voir la recette sur internet. Ok, les gars, alors j'ai exactement ce qu'il nous faut. Alors, j'oublie que j'avais tout ça dans mon truc. On va tout gerter parce que sinon ça va tout fausser. Alors, il nous faut 2 de miel. J'ai fait exactement les bonnes valeurs. 4 de sève. 2 de carottes. 2 de maïs. 2 de pommes de terre. 4 stimulants que j'ai mis où? J'ai pas divisé mes stimulants. Ça va pas le faire. Voilà. Tac. 4 stimulants. Après, il nous faut 20 mejoberry. Steamberry, qu'est-ce que je raconte? J'en ai que 4. Ah oui, c'est 4, je suis bête. C'est 4. Ah non, mais c'est 4 stimulants et 20. Ah, je me suis trompé. Oh là là là. Vite que je me dépêche parce que. On sait pas ce que ça peut faire d'autre. Alors je crois que j'en ai mis là-dedans. Ouais voilà nickel, j'en ai là-dedans. Alors je fais exactement les bonnes valeurs parce que je sais pas si ça peut se tromper ou soit ça va pas marcher. Et j'ai pas envie d'avoir de soucis. Alors vite on met les steamery. Voilà nickel. 8 de poudre. 8 de silex. 4 de pierre, c'est bizarre comme de mettre ça dans un gâteau. 25 de fibres. Et de l'eau les gars. Et normalement si on allume, ça devrait commencer à faire effet. On devrait avoir un bon petit gâteau là pour notre petit escargot. Alors maintenant les gars, j'ai plus de temps qu'à faire du bon tri hein, parce que vu tout ce que j'ai là. Alors est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ah nickel, on a un petit gâteau, ça c'est cool. Oh là là, j'espère qu'il en faut qu'un les gars, parce que s'il en faut plusieurs là, j'ai vraiment le seum hein. Alors, on va mettre ça là-dedans. Alors, ouh, c'est toute la bouffe que j'ai. Ah, j'ai oublié que j'avais mis 300. J'ai oublié que j'avais mis 300 de steak. Donc, ouais, on a un peu beaucoup de viande, tu vois. Alors, je sais pas si ça stame, genre passif. Il faut s'approcher de lui ou il faut lui donner. Soit faut le mettre à terre. Donc, bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Est-ce que j'ai de la nourriture si je tame autre chose qui a besoin de steak? Alors, oui, là, j'en ai un tout petit peu. Hein. On va prendre un peu de mejoberry que j'ai juste là. Bon, c'est pas grave. On va mettre ça là-dedans, même si j'ai pas fait exprès d'aller là-dedans. Voilà, nickel. Alors, j'ai un peu. On va pas non plus en prendre une tonne parce que les gars, voilà, 10 000, bon. C'est un peu beaucoup. Même pas, je sais si c'est 10 000. Non, ouais, c'est ça, c'est 10 000. Comme 10 000, c'est pas mal, hein, on va pas se mentir. Bon, les gars, c'est parti pour les tames des dinos du marécage de la Montmartre. Bon, après, les gars, la première étape, c'est quand même de trouver soit un escargot, soit le capro, je sais plus quoi, là, le deuxième crocodile. Je pense que ça va être très simple d'en trouver un. Ce serait bien d'en trouver un qui est assez haut level quand même. Je crois qu'il y en a ici, on a pas mal. Déjà, il y a la grenouille qu'on pourrait tam. Niveau 28, c'est pas ouf. Les gars, avant de continuer la vie, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à bien sûr vous abonner et à activer la cloche de notification, les gars. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait énormément. Niveau 52, on s'approche quand même d'un bon niveau. Alors, vu qu'ici j'ai pas mal fait de rasage avec mes gros dinos, ça m'étonnerait. Ah, bah si, on a trouvé ce qu'il nous fallait. Par contre, il est niveau 8, c'est pas terrible du tout. Donc ouais, on a trouvé ça, mais bon, nous il nous faut meilleur. Peut-être vers là-bas. Comme je vous ai dit, ici j'ai fait des massacres avec mes gros dinos. Je pense que c'est beaucoup mieux d'aller là-bas. Parce que là-bas, bon, je suis pas y allé beaucoup de fois. Et bon, je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de capro, je sais pas quoi là, de d'achatine. Enfin, c'est le nom d'escargot. Si j'ai mal lu, je sais pas, c'est pas grave. De toute façon, les gars, on fait tous des erreurs, on va dire. Ok, on arrive vers là-bas, let's go. C'est surtout tout au fond, hein, parce que ici, il n'y a pas grand-chose. J'espère quand même qu'on va trouver un escargot level, hein, genre un bon niveau, là. Oh, ça m'est très bien, parce que toute la cheating que ça me ferait, ça sera franchement cool. Alors, je crois que ça continue très, très, très loin, le marécage, donc on est très, très bon. On est très, très good. Niveau 100. Oh, ça, c'est nickel. Niveau 12. Bon, c'est pas la même chose. Mais en plus, il est stylé avec la petite couleur, là. On verra ça après. En plus, ça survit bien. On va facilement le retrouver. Je vais quand même trouver, les gars, ce qu'il nous faut. Hein, parce que le petit truc de la chitine, là, ça nous m'aiderait énormément. Là, je suis quand même parti loin. Hein. Ah non, je suis ici. Ah, je me rappelle d'ici. Est-ce que c'est un escargot, ça? Oui, c'est un escargot niveau 4.
C'est pas ouf du tout. Encore un escargot. Oh, niveau 64. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On va essayer d'en trouver un dernier. Niveau 8, ça c'est pas ouf. Par là-bas, est-ce qu'il y a vraiment pas... Je voudrais bien avoir un bon niveau 100. Parce que les gars, si vous savez pas, plus ils sont au niveau, plus ils vont vous donner de cheating ou je ne sais quoi. Donc on dit pas non, on dit pas non. Là, niveau 8, il suffit tout à l'heure. Niveau 12... Non, pas par ici, par là-bas. Alors, j'ai toujours pas trouvé de trucs. Hein. Je trouve que des sarcos depuis tout à l'heure. Alors, Pantou, ils peuvent m'attaquer à partir de là. Lui, niveau 12. Au niveau 96. Oh, c'est énorme, ça. 96. Alors, on va faire un petit lavage, les gars. On va faire un petit lavage des familles. Voilà. Petit lavage des familles. Comme on les aime. Alors, il y a un peu beaucoup de charcos, ça, je vais pas vous mentir. Mais bon, nous, on fait l'affaire, nous. On les dégomme. Voilà, mon gars. Ça, c'est du phénix. Ça, c'est du phénix. Boum. Ils peuvent rien faire, mon gars. Oh là 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 là. Il est incroyable, Argentavis. Il dégomme tout. Hein. Alors que de base, c'est juste pour prendre en mode transport et tout. Mais là, mon gars, je les dégomme. Oh là 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 là. Oh, le massacre pour mes oreilles aussi, on va pas se mentir. Alors lui, il va vite dégager parce que je sais qu'il va m'embêter tout au long du truc. Voilà, nickel. Alors, pente là-bas, je crois que j'ai vu un magnifique trou. Donc, il va rester sur son arbre. Hein. Il reste sur ton petit arbre là que tu fais pas ce que tu fais avec. Alors non, c'est pas un timbre passif. Donc, comment va se... Ah non, pas les terreurs, je sais pas quoi là. Toi, tu vas te faire dégommer, mon petit gars. Tu ne touches pas à mon poteau. Voilà, nickel. On va lui mettre une petite balle tranquillisante. Là, let's go. Et là, on va lui en mettre un. Il va vite le gras, je pense. S'il a faim, bien sûr. Attendez, c'est où qu'il a faim? Voilà. Il a un peu faim, ça devrait aller vite. J'espère qu'on peut l'avoir vite. Hein. Ah non, mais c'est pas possible. Il y a encore des terreurs, je sais pas quoi là. Laissez-moi tranquille. Voilà, des oiseaux terreurs. Tu vas laisser mon Argentavis tranquille. Ah, il y a encore un truc qui arrive. En plus, là, je le vois. Ah non, c'est juste des piranhas, ok. Oh là là là, mais pourquoi ça me dit... Ah si c'est bon, ok. Ça marchait pas tout à l'heure, on va lui mettre ça en vrai, je sais pas s'il le mange. Bon, il peut le consommer ça, est-ce qu'il peut le consommer? En fait, il peut tout consommer, hein. Incroyable. Je sais pas si ça va l'avoir one shot, mais c'est pas possible, il y a toujours un truc pour m'embêter, hein. Alors, pense, je crois que j'ai vidé mon Argentavis avec la fléchette. J'espère que ça va pas l'endormir. Hein. En plus, il commence à pleuvoir. Oh là là, on voit rien du tout. Oh. En plus, il commence à faire nuit. Oh là là là. Ah oui, il a même pas, c'est même pas une femelle ou un mâle, c'est indéterminé carrément. Je mets des petites mèches obéies, on va mettre ça aussi. Ah, le bruit qui fait, par contre, frère, on dirait un aspirateur Dyson, le truc. Il y a une grenouille là-bas, je sais pas si c'est très bien que je fasse deux trucs en même temps, parce que j'ai un peu peur qu'il se fasse tuer. Surtout avec un baryonyx. Ah ouais, les baryonyx, ça serait bien de tame ça, hein. Ça serait très cool, mais bon. Vu la durée d'épisode, les gars, je sais pas, peut-être qu'on va se ratamer sur ça, hein. On va peut-être se ratamer juste sur ça, parce que de base, ça serait cool d'avoir de tam plus que ça, hein, mais bon. Vu le temps que ça m'aura pris de faire tout ça, on va juste tam la petite escargot. Ok, les gars, je l'ai à peine en donné un, et c'est bon, les gars. On va l'appeler Acha, voilà. Acha, comme ceci, voilà, parce qu'on a dans les jeux de mots. Je sais pas, je m'amusais à tirer sur un escargot, oh là là. Un serpent qui était très loin, et j'ai réussi à le toucher, mon gars, mais de je ne sais combien de mètres. Alors, Pant, il va revenir à la charge. Ah non, il s'en fiche. Ah, je crois qu'il m'a vu maintenant. Alors, Pant, vous allez tous les deux dormir, moi, je vous le dis. Ok, en fait, je vais rien dire, parce qu'ils vont tuer mon Acha. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit. Vous faites rien, les gars, vous êtes nuls. Voilà, nickel. Il est où le petit Acha? Il est juste là, il est tout mignon. Oh, je peux le ramasser? Oh, trop stylé, on va pas le ramener à la babase. Oh, en plus, je peux le porter comme ça, on dirait un hérisson, je suis mort. Ok, on est de retour à la base avec le petit Acha, let's go. Alors, je sais pas comment il fonctionne pour récolter la chitine et tout, mais j'espère que ça va aller vite. Je sais pas s'il y a un truc, non, il y a rien du tout. Activer la promenade ou acclement pour accoupler. Ouais, bon, ça, j'ai compris. Alors, je pense qu'il faut qu'il bouge ou un truc comme ça, je sais pas du tout. On va peut-être le mettre dans la serre, je sais pas du tout, les gars, vraiment, comment ça marche, hein. Je sais pas s'il faut qu'il bouge ou un truc comme ça. Donc, en vrai, on va le mettre là, il va être bien. Alors, Pant, il est encore en mode suivi. Donc, on va le mettre pas bouger. Voilà, nickel, tac, comme ça, il bouge plus du tout. Alors, en fait, les gars, il faut activer la promenade, ce que je me doutais un peu. Alors, tac, on va lui activer la promenade, normalement, il va commencer. Ah, voilà, en fait, les gars, je me suis complètement trompé. Pendant tous les deux, je me dis, ah ouais, c'est cool, on va voir de la chitine et tout. Mais en fait, les gars...
c'est du ciment qu'ils nous donnent. Bon, c'est cool, tu vois. Mais bon, j'aurais préféré peut-être avoir de la chitine. Bon, c'est pas grave. Dès qu'on va faire avec. Et je crois qu'il peut en stocker dans lui. Voilà, il est en train d'en produire. Donc en vrai, c'est cool. Parce que le ciment, c'est pas non plus la chose la plus simple à faire. Et en plus, bon, voilà, je l'ai mis là-dedans. Il va être bien avec les petites plantations. Ça va être très très cool, les gars, je pense. Genre, après avoir le... Il va pouvoir avoir un pote, du coup, en plus. Ah oui, il va avoir le... Parce que j'ai vu qu'il y avait un genre de scarabée qu'on pourra mettre ici. En mode trop stylé, qu'on va peut-être devoir mettre aussi en promenade. Comme ça, il aura un petit poteau, mon escargot. Comme ça, il sera pas tout seul. Bon, les gars, cet épisode était quand même très sympa. Parce qu'on a pu découvrir quand même pas mal de choses comme la sève. Et comment récolter le miel. Parce que je sais pas du tout comment on pouvait récolter le miel. Genre, avec l'argentariste, je pouvais pas, vu que j'étais en l'air. Mais maintenant que j'ai compris qu'il fallait avoir des fondations, même si c'est galère, c'est très cool. Et en plus, du coup, maintenant, on a notre magnifique producteur de ciment et pas de chitine. Parce que du coup, dans tous les épisodes, je me dis, ah ouais, on aura de la chitine et tout, mais non. Mais bon, de toute façon, je mettrai entre guillemets, entre étoiles, je sais pas si ça se dit, que c'est du ciment qui produit. Mais bon, même si c'est du ciment, c'est quand même très cool. Et en plus, en même pas 3 secondes, il en fait quand même pas mal. Hein. Regardez, il en a déjà 4. Et sans rien en plus, hein. Bon, peut-être qu'il lui faut de la nourriture. Donc voilà, c'est pour ça que je vais laisser ça dedans. Alors pendant ça, il va pas le manger. Je sais pas si je peux, genre, si j'enlève des trucs. Enfin, si j'augmente des trucs, genre, il en donne plus. Peut-être si, genre, j'augmente la fin. Je sais pas du tout. On va laisser ça comme ça. Voilà, tac. On va juste ranger ça dans le petit terri. Et voilà, nickel. En tout cas, les gars, on va s'arrêter là pour l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a extrêmement plu. En tout cas, les gars, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Bien sûr, les gars, avant de quitter cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à bien sûr vous abonner et à activer la cloche des notifications, les gars. Ça me ferait extrêmement plaisir de le faire. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait énormément. Et moi, les gars, je vous dis à plus dans le bus, ma bande d'assassins. Ciao.